Sur ce point, ce qu'il veut dire par là, c'est étant particulier, ça veut dire aussi une autre façon de travailler, une façon particulière de faire court. Pas facile pour moi de faire court à un ordinateur, mais bon, on va finir par s'y habituer, par s'y faire. Hein? Quoi? Mais qu'est-ce qu'il vient de dire? Il entend quoi au juste par réduire très fortement nos déplacements? Moi, je pensais qu'il ne fermerait que les universités. Et mon week-end avec mes potes. Mes billets de train. Pourquoi on nous impose ça, au juste? Il ressemble à quoi, ce virus? On en entend parler partout, mais je ne connais personne de malade. Et puis, moi, j'ai pas 70 ans. Hein. Si je ne vais pas voir ma grand-mère, je vois pas où est le souci. Je ne prends de risque pour personne. Non mais il l'a dit, hein. On est en guerre. En guerre. Bon. Souffle. Respire. Qu'est-ce que je vais faire? Y'a pas le choix. Y'a pas le choix. Y'a pas le choix. Y'a pas le choix. Respectez les lois, même si vous vous demandez pourquoi. Y'a pas le choix. Ne pas sortir de chez soi pour aller voir les autres villageois. Y a pas le choix. Protéger le monde autour de chez soi, c'est la loi. Y a pas le choix. Même si c'est parfois un peu ardu, ne restons pas sur un malentendu. Y a pas le choix. Travailler de chez soi. Et qui je côtoie, moi? Y a pas le choix. Désinfectez vos mains à chaque fois pour lutter contre le corona. Y a pas le choix. Ne frottez pas vos yeux pleins d'effroi. Y a pas le choix. La vie vaut bien d'être vécue. Y a pas le choix. Laissez les masques au médecin de réa. Y a pas le choix. Même si le monde est en plein désarroi. Y a pas le choix. Que de penser aux autres quelquefois, et d'oublier qu'on est gaulois. Y'a pas le choix. Un jour, du temps, y en aura plus. Y'a pas le choix, car le virus nous trouvera. Y'a pas le choix, ça donne un poème un peu tordu. Vous a-t-il plu? En tout cas, moi cette fois j'y crois. Oubliez le quant à soi, y'a pas le choix. Restez chez soi, ce n'est pas du chinois.
Aujourd'hui, et comme depuis 5 jours, je me retrouve à 8 heures devant cet ordinateur. Toujours le même déroulé. J'ouvre Messenger, puis Moodle, puis Teams, puis Word, puis Discord, et enfin, j'ouvre ma boîte mail. À cet instant, tout paraît si calme. Zéro mail, zéro message. Dès lors où l'on commence à entendre la voix du professeur sur Teams, c'est une avalanche de messages de mes collègues sur Messenger. Ça commence, écrit Pauline. S'en suivent d'autres remarques plus ou moins pertinentes. C'est à cet instant même que je me dis que la journée commence. Le gène codant pour la protéine PRX2 se situe à l'intérieur de la. Son visage se fige. Ah, ça, c'est pour toutes ces fois où je me disais qu'est-ce que c'est bien de vivre à la campagne. Oui, c'est bien, mais la liaison Internet est bien plus faible qu'en ville. Il faudra s'adapter. Il est 4h30 du matin. Je devrais pas être là. Mais j'ai été appelé en urgence. Je me suis dit qu'il y avait plein de patients qui étaient arrivés d'un coup. Et d'un côté, j'avais pas tout à fait tort. 5 patients étaient en attente. Des jeunes, des étudiants. Ils sont colocataires et ils sont tous atteints du virus. Ils devaient être hospitalisés en urgence. Et c'est là qu'on a eu un problème. On n'est pas un grand CHU. On doit avoir... Attendez. Oui, voilà. 54. 54 patients en ce moment en réanimation, pour une capacité maximale de 58. Vous avez fait le compte, hein? Il y en a un de trop. Quelqu'un devait laisser sa place. C'est déjà assez terrible quand on y pense. Mais ça l'est devenu encore plus quand une des infirmières m'a regardé et m'a dit « Alexane, on sauve qui ?» Bah ouais. C'est moi la chef. C'est moi qui prends les décisions. J'ai pas été appelé pour aider à accueillir les 5 jeunes. J'ai été appelé pour décider qui devait mourir parmi les 54 autres. Il fallait décider, il n'y avait pas le choix. Je l'ai tué, merde! Je l'ai tué, putain! Bon allez, ça suffit, il faut que je me mette à travailler moi. Alors... Ah oui. Hop. Alors... L'homme. L'homme. L'homme dans la nuit. L'homme dans la nuit, l'homme dans la nuit. Qu'est-ce qu'il fait l'homme dans la nuit? Il dort! C'est parfait ça! Il dort! Alors qu'est-ce qu'il fait ensuite? Qu'est-ce qu'il peut bien faire? Ah mais c'est parfait, c'est fini. Vous vous demandez ce que je vais faire et à quoi va servir ce carton? Eh bien, je vais vous expliquer la situation dans laquelle j'étais il y a quelques semaines. Pendant de nombreuses minutes, heures, jours, j'ai eu l'impression d'être dans cette boîte. Restreinte dans la liberté de me mouvoir et réduite à satisfaire mes besoins primaires, boire, manger et dormir. Il était pour moi impossible de sortir de ce carton. Le monde était devenu dangereux. Soudain, on m'a laissé en sortir. C'était tant attendu. Mais le retour à la réalité fut brutal. Trop de soleil, trop de gens, trop de pollution. Trop, c'est trop. Je retourne dans mon carton.
Rester ou sortir. Respecter ou braver. Sécurité ou liberté. Santé ou danger. Épargner ou exposer. Mais y a-t-il vraiment le choix? Je me le demande. Je vous le demande. Et finalement, je dirais solidarité et responsabilité. Réfléchissons tous ensemble. En ce temps, tout le monde a un rôle, et tout le monde doit le jouer à la perfection. Mais tout le monde ne peut pas jouer le même rôle. Il y a les héros, il y a les méchants, les actifs, les égoïstes. Et là, les inégalités déjà présentes se renforcent. Mais au final, tout le monde en payera le prix. Et les inégalités tueront. Finalement, je dirais collectif et individuel. Et ça, il n'y a pas le choix. Dès lundi, et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés.